Bonjour les amis, c'est Gémico, j'espère que vous allez bien. Ben là je trouve sur Far Cry 6 pour un nouveau gameplay. Donc là je vais faire l'épisode 41. Tous ceux qui aiment cette vidéo, mettez des pouces bleus, partagez à vos amis et abonnez-vous. Et surtout activez la cloche. Allez c'est parti, let's go. Donc allez on va voir, il y a quoi comme nouvelle mission. Il y a Talia, les Maximas Macansas. Donc allez on va aller faire ça. On va aller voir si on peut se téléporter. Allez je fais un déplacement rapide, voilà nickel. Donc allez on va aller voir Talia. Juste un putain de concert Paolo. C'est la démo qui compte. De Ravière chez Free Speech peut nous avoir un deal aux US. Ouh, un contrat chez les Américains. Je ferme ma gueule, on est sauvés. Il se passe quoi? C'est le premier concert qu'on a depuis notre fuite d'Esperanza et Paolo veut tout gâcher. Pourquoi? Marquessa va nous tuer. Mais j'ai peint le logo partout. Non, moi je l'ai peint. Et j'ai kidnappé un zèbre. Et j'ai tué pour ce barjot de prêtre. Alors tu vas me faire ce putain de concert. Quel prêtre? Une chanson. Et on remballe. Mais y'a mort, je te ferai bien des choses, mais faut qu'on s'active. Prépare tes affaires! Danny, j'apprécie vachement que tu dises ce que tu penses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Bichot? On va devoir virer les soldats du centre de propagande de Marquessa pour pouvoir mettre notre matos. Quand je dis on, je veux dire toi. Ou toi, avec un soupçon de moi. Nous deux, quoi. Compris. On va leur dire ce qu'on pense. Bah allez c'est parti, on va trouver un véhicule, on va s'y rendre tranquillement. Oh, le petit dérapage. C'est quand même long par la route. Ah c'est bon, on est arrivé. Bichot, je suis à la villa de Maria, t'es là? Ouais, j'arrive, mais les soldats... À ton avis, ils parlent de la salle là. Ok, ok. Je vais être... Relax, quand t'arriveras, il n'y aura plus aucun soldat. Sécuriser la villa, ok. Bah allez c'est parti. Voilà, cette arme elle est super bien. J'aime bien mettre tes têtes avec cette arme. Allez, voilà. Mais bouge de là toi. Voilà, nickel. Oh, il y a un hélicoptère, ok. Allez, je le fais péter. Voilà, allez, ils sont là. Headshot. Allez. Ouah, mais c'est chaud là. Allez, voilà, nickel. Hop, je me soigne. Je pense qu'ils viennent de là. Ah bah, viens, viens. On a réussi. Bichot, tu peux sortir maintenant. Hé, hey, Danny, rejoins-moi dehors près de mon camion et T'as un problème? Ah ouais, avec le matos, c'est putain de lourd. Ah c'est bon, il est arrivé, il est là. Bah allez, on va lui parler tranquillement. Maria a déjà installé du super matos. On n'a plus qu'à mettre tout ça en marche. Hein? Tu crois que Talia va allumer l'antenne, les lumières et les enceintes? Que dalle! C'est bon, je vais t'aider. Génial! Personnel s'occupe de tout. Et Radio Libertad va démarrer en beauté. Vas-y, je te regarde. Bah allez, je l'ai fait péter. Voilà, voilà, c'est bon. Bah allez, on va activer ça. Ok, il y en a un là. Allez, c'est parti. Et là au-dessus. Voilà, juste là, c'est bon. Oh putain, c'est ressemblant. Mais ils sont où, Paolo Italia? T'as une sale gueule. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ah, enfin! Et ensuite, on attend! Falla, porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya y verás un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me estralla. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando... Nique Castillo, nique Marquesa, nique le paradis. Et la mort, on s'en tape, ok? On tient bon, c'est compris? Ouah, c'est bon. Donc là, on protège. Allez, c'est parti. Voilà, allez. Faut vraiment que je fasse péter l'hélico. Allez, c'est parti. Voilà, bouge de là. Allez, il y en a par là. Allez, c'est bon. Voilà, oh, oh, oh. Oh, c'est chaud là. Ah, je me soigne. Voilà. Allez, je fais tout péter. Ah, c'est bon.
Voilà, c'est bon. On a réussi. On va recommencer. C'est fini. Qu'est-ce que tu racontes, Paolo? Je crois que Marquesa a pigé cette fois. No tenemos miedo, mi gente no falla. Alors tu penses qu'elle a l'étoffe de Libertad? Tu préfères que je fuis en Amérique comme une lâche? Merde, Talia, on pourrait vivre là-bas. Ah ouais, en devant sourire pour nettoyer leurs chiottes, en baissant la tête quand ils nous diront de rentrer chez nous, hein? Ils veulent pas de nous, Paolo! Ma vie est ici, je me bats avec Libertad! Libertad? Libertad veut juste nos fans! Tu crois que Clara Garcia s'intéresse à toi? Moi, Dani? Calme-toi. Alors quoi, t'es contre Libertad? Après tout ce qu'on a vécu, la chirurgie, ta famille... Ma chirurgie! Ma famille! Pas les tiennes! C'est pas ma guerre, ça! Quand ce sera fini, je devrai encore me battre tous les jours! Tu l'as peut-être oublié, mais je suis un trans coincé à Yara! Arrête de faire comme si tu savais ce que je ressens! Un vrai mec, ça fuit pas! Bonne chance! Ça va aller. Ça va aller. Là, j'en doute un peu, amigo. Miss Tilly, je suis navré, j'ai très peu de temps. Allons droit au but. Vous passez du temps avec votre père. C'est un bon enseignant. Et votre mère? Qui classe les Tontelia et Sesta Maria? Des questions à l'américaine. Parlons du Viviro. Un traitement anti-cancer qui prolonge des vies partout dans le monde, à l'exception des États-Unis. Mon père en est au stade 4. Pourquoi faire attendre les Américains? C'est très américain de s'attendre à avoir ce qu'ont les autres. Vous dites non aux démarches diplomatiques, même aux promesses de lever l'embargo. Je suis désolé pour votre père, mais l'Amérique devra attendre, comme les autres pays. Hier, une bande de rebelles a piraté votre réseau YaraVision. Ils réclamaient qu'on libère de prétendus parias de camps qui produisent du Viviro. Ce sont des esclaves qui font ce produit? Vérité ou mensonge? Toujours la vérité. Yara n'a rien inventé pourtant. Les esclaves ont construit votre pays de 1800 à 1860. Vous étiez les nababs du coton. Grâce à qui? Attendez une seconde. Aux esclaves. 4 millions d'Américains valant plus de 3 milliards de dollars. La plus grande richesse de votre économie était des personnes de mon genre. De quoi s'agit-il? D'une leçon d'histoire? D'un avantage. Remplacé par un système pénitentiaire très riche qui rémunère à peine ses détenus. L'Amérique n'est pas la seule. Correct. Des enfants font nos chaussures, d'autres des téléphones, alors que le Viviro sauve des vies. Pensez-vous que la provenance importe à ses patients? Santos Espinosa a exécuté votre père lors de la révolution de 67. Vous avez été emprisonné à l'âge de 13 ans, l'âge actuel de Diego. Vous êtes un autodidacte? Ma mère était un professeur formidable. Je crois savoir qu'à 15 ans, on vous a forcé à travailler dans un champ de tabac. Et vous auriez encore la lame. Quand Yara sera un paradis, quand je distribuerai mon Viviro aux États-Unis, mes méthodes, vos questions seront ignorées. C'est terminé? Pour votre père. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye les amis!